Je sais, je suis pas prêt, mais c'est pas grave, de toute façon, je m'en fous. Mes vidéos, c'est des vidéos pour m'amuser aussi. Mais bon, alors, j'avais pas donné rendez-vous, rien du tout, pas prévu de faire de vidéo pour dans l'immédiat parce que j'attendais quelque chose. En fait, j'attendais une nouvelle petite livraison. Je savais que j'allais recevoir un nouveau petit cadeau et ce matin, quand j'ai ouvert la boîte aux lettres, surprise. De la vanille, eh oui, Vanimada a encore frappé. Cette fois-ci, ils m'ont envoyé des gousses de vanille de 20 cm. Alors là, génial. C'était pour que vous puissiez avoir un autre petit aperçu de ce qu'ils faisaient. Et puis, bah, avec ça, allez, hop, ça, c'est fini, on n'en a plus besoin. Avec ça, bah, ils m'ont envoyé encore deux autres petits sachets d'épices, enfin d'ingrédients sympathiques. Alors je vous avais présenté une petite vidéo il n'y a pas très longtemps, c'était sur un déballage que j'avais fait ce matin, j'avais reçu le courrier. Et puis je vous avais présenté des sachets, vous vous rappelez, je vous avais présenté d'abord un tube de vanille de 16 cm, je vous avais fait voir des petits sachets, je vais tout vous représenter de toute façon. Et puis je vous avais dit que j'avais réussi à avoir un code promo avec Vanimada 19, c'est leur compte Instagram. Et puis au final, bah, c'était une réduction de 50% sur le deuxième produit. Puis on a discuté un petit peu. Je les ai trouvés super sympas. Ils ont dû me trouver super sympa aussi. Et du coup, il y a eu un petit changement sur le code promo. Donc le code promo, je vais vous le donner. C'est QRC, bah, comme quel rhum choisir, comme le code QRC que j'avais avec Rhum & Co. 20. QRC 20. Ça veut dire qu'en fait, vous aurez droit à 20% de remise sur l'achat de tous les produits, enfin apparemment toute la gamme de Vanimada à partir de 40 euros d'achat. C'est plus intéressant encore que 50% sur un deuxième article sur certains produits seulement. Là, c'est sur toute leur gamme. À partir de 40 euros d'achat, vous aurez 20% de remise. Pas mal, non? Je me suis pas mal démerdé quand même pour vous. Alors, je vais vous présenter un petit peu leurs produits maintenant parce que c'est aussi pour ça que je fais la vidéo. Alors, ils ont du gingembre en poudre. Hein. Alors, gingembre en poudre, je mets là comme ça, je pense que vous devez voir les petits paquets. Gingembre en poudre. Alors, gingembre en poudre, je ne l'ai pas ouvert. Je vais tous les ouvrir parce que j'aime bien sentir les rhums et tout, mais j'aime bien aussi sentir les épices, c'est sympa. Après, moi, je vais les mettre dans des flacons en verre. Ouais, le gingembre, ça n'a rien à voir avec les gingembres qu'on trouve chez Leclerc, Lidl, Auchan et tout. Hein, parce que des fois, il y en a, c'est vraiment de la merde. Et puis, on se demande comment ça peut avoir cette appellation-là. Franchement. Alors là, celui-ci, c'est de la cannelle en poudre. La cannelle en poudre. Vous allez dire, il est vulgaire. Hein. Mais bon, c'est vrai que il y a des produits, c'est vraiment dégueulasse. Quand on se demande comment ils peuvent vendre ces trucs-là. On se demande même des fois ce qu'il y a dedans. Alors que là, c'est des produits qui viennent directement, qui sont directement importés de Madagascar. C'est une histoire de famille, hein, en fait. Si j'ai bien compris, c'est le frère qui cultive tout ça à Madagascar, qui envoie ça en France. Et puis, bah, eux, ici, chez Vanimada, ils distribuent leurs produits. Alors après, ils mettent c'est dans des petits packagings comme ça, que ça leur est envoyé. Après, bah, eux, ils les mettent. Ils ont juste les petites étiquettes à rajouter. Et puis, vous voyez, vous avez toutes les explications. Il y a même des recettes. Hein, par exemple, je sais pas, moi, je regarde un truc qui m'a semblé marrant. C'était que ils expliquaient, par exemple, bah, pour les boutons. Les boutons sur la figure, la cannelle avec du miel. Paraît que c'est super sympa pour les boutons d'acné, trucs comme ça. Bon, moi j'ai pas essayé, hein, mais il paraît que c'est sympa. Donc la cannelle en poudre, ouf, elle a un super parfum. Vous voyez, donc toutes les petites explications. Après, vous pouvez aller sur leur page Instagram hein, si vous avez des questions à leur poser sur leur produit. Hein, c'est ce que je dis à chaque fois. Hein. N'hésitez pas, ils ont des comptes Instagram. C'est pour que les gens puissent communiquer avec eux et puissent leur poser des questions, leur dire ouais, est-ce que je pourrais savoir ça? J'ai pas trop compris sur le site, qu'est-ce que ça donne. Donc après, ils ont leur site internet hein, pour pouvoir profiter de la remise de 20% à partir de 40 euros d'achat. Ils ont leur site internet. Bon, je vais vous mettre tout ça dans la description. Mais une fois que vous serez sur leur page Instagram, eh ben, vous allez voir dans leur profil. Hein, et puis vous allez trouver l'adresse de leur site internet. Et puis vous allez pouvoir y aller et puis faire vos achats, quoi. Donc la cannelle. Le Kumbawa en poudre. Alors le Kumbawa, je vous ai expliqué l'autre jour, c'est une sorte de citron. C'est un citron un peu particulier. Moi, j'ai essayé de goûter comme ça. J'ai pas trop aimé. En fait, j'ai pas vraiment cherché
Ah ouais, ça sent la citronnelle, c'est vraiment fort. Ça sent exactement pareil que quand j'ai coupé le kumbawa frais que j'avais acheté dans un magasin de fruits et légumes. Donc je tairai la marque parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub. Ça sert à rien, ils me font pas de cadeaux quand je vais acheter chez eux. Le kumbawa, c'est spécial. Après, j'ai pas vraiment cherché dans quoi ça pouvait se mettre. J'ai essayé d'en mettre dans du rhum, mais c'était un peu spécial. Alors peut-être que j'en ai mis trop. Bon, après, il y a ça, le poivre noir. Le poivre sauvage, poivre noir sauvage, là, je l'ai goûté en cuisine. C'est une tuerie. Alors, je vais pas trop parce que je suis un petit peu allergique au poivre et là, j'ai pas envie d'éternuer. Donc, le kombawa, vous voyez, ça se présente comme ça. Toujours pareil, une petite étiquette explicative au dos. Le poivre sauvage, des produits vraiment sympa. Puis le packaging, c'est du 50 grammes. Alors ça existe, je crois que ça existe sur leur site, à leur référence, ils existent aussi dans des paquets plus grands. Hein. Si vous avez un restaurant, vous en achetez des paquets d'un kilo, bah, je crois aussi qu'ils ont ce packaging-là. Le poivre blanc, c'est pareil, c'est une tuerie. Toujours pareil, des arômes extraordinaires. Ça vient du pays du soleil, hein, donc on peut pas se tromper. Hein. Ils attendent toujours leur agrément hein, pour le bio. Moi, vous savez, ceux qui s'y connaissent un petit peu, vous savez que c'est un peu long. Alors aujourd'hui, sur cela, il n'y a pas les étiquettes. Elle n'a pas eu le temps de les apposer encore. La petite dame que j'ai eue au téléphone, elle m'a expliqué. Elle m'a dit, je te les ai envoyées comme ça parce que j'ai pas eu le temps d'installer, de mettre les étiquettes encore. Mais c'est exactement pareil que les autres. Alors ça, c'est de la noix de l'étoile anisée ou de l'anis étoilé, pardon. Oh là là là, on dirait du Ricard. Regardez-moi ça. C'est une pure merveille. Ça, c'est pareil. Il va falloir que je cherche tout ça pour pouvoir le mettre dans des cocktails. Et alors le fin du fin, là, celui-là, j'en utilise partout, aussi bien en cuisine. Des noix directement, des noix. C'est quoi ça? Ah, peut-être que la noix est à l'intérieur. C'est encore dans la noix, dis donc. De la muscade. Eh ben. Oh, je suis con. Hein. Bon, ça sent déjà vachement fort. Hein. J'imagine une fois qu'on va retirer la noix, en fait, la saveur, elle a dû rester complètement à l'intérieur. Ça va être super. Bon, alors là, par contre, le Graal, c'était les tubes de vanille de 16 cm. Oh là 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 là, le parfum, mon Dieu. Alors là, franchement, extraordinaire. Ça, c'était les 16 cm. C'était là-dessus que normalement il y avait une promo au départ. Et puis finalement, comme ils font la promo sur toute la gamme, il y aura aussi la possibilité d'avoir sur celle de 20 cm qui m'ont été envoyées aujourd'hui. Bon, je ne vais pas faire une vidéo qui va durer 2 heures. Je vais peut-être la mettre je vais peut-être la mettre sur YouTube aussi. Sur YouTube, parce que c'est important, parce que tous ces petits produits là que j'ai reçus là, ces vanilles, toutes ces épices et tout ça, ben, on va pouvoir les utiliser. Je vais pouvoir les utiliser dans mes rhums arrangés. Et puis bah vous aussi, vous allez pouvoir. Regardez, c'est sympa. Voilà. Voilà. Donc c'était toute la gamme de. Enfin, une partie de la gamme de Vanille Mada. Vanille Mada 19, c'est leur compte Instagram. Enfin, leur page Instagram. Je vais sûrement poster ça sur YouTube. Bon, bah, je suis vachement content. Alors, en même temps, je vais faire un petit clin d'œil à mes copains du Québec. Là, j'ai des copains, des Français, des Québécois, des Canadiens. Un petit clin d'œil à eux parce que je sais qu'ils ont vachement de mal pour pouvoir se procurer des bons rhums. Alors, je voulais leur faire un petit clin d'œil en leur faisant voir que pour leur montrer à quel point je pense à eux. Et puis, les gars, à l'occasion, si vous pouvez venir en France, bah, du rhum, vous pourrez déguster toutes les bouteilles sur lesquelles vous êtes là, à vous dire, mon Dieu, j'aimerais bien goûter celle-là. Voilà, donc c'était bah, une présentation, une vidéo rapide, sympa. J'espère que ça vous aura plu. C'était pas une dégustation de rhum, ni une présentation, ni un peu ni faire la pub pour de la rhum, pour du rhum. C'était pour remercier Vanimada de m'avoir envoyé toutes ces épices. Je vous encourage à aller sur leur page Instagram, sur leur site internet. 20% sur la gamme Vanimada à partir de 40 euros d'achat. Je pense que c'est un beau geste commercial et puis que bah, vous allez vous éclater avec toutes ces épices pour vos rhums arrangés. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée.
Ben moi, je sais pas, je sais pas, je vais peut-être me faire un petit, je vais peut-être me faire un petit rhum, je sais pas. Non, ben non, c'est vrai que le rhum, c'est pas tous les jours, et puis deux fois par jour maximum, et pas tous les jours, donc je vais peut-être pas abuser. Voilà, ben à bientôt, et puis rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à partager la page, et puis aller sur ma page YouTube, le lien il est dans dans mon profil. Allez voir les vidéos, bon il y en a, c'est les mêmes que sur Insta. Likez-les, partagez, abonnez-vous. C'est comme ça que je continuerai à recevoir des produits, bon en majorité du rhum et des produits à base de rhum. Et c'est comme ça que je vais pouvoir continuer à vous présenter des produits et puis avoir peut-être des codes promo pour certains produits. Le rhum c'est un peu plus compliqué, les rhums arrangés peut-être plus facile, mais bon là j'ai du rhum arrangé là qui devrait pas tarder à arriver là d'ici quelques jours et puis bah peut-être j'aurai encore un code promo sur un produit de rhum arrangé qui vient tout droit de la Guadeloupe et qui est distribué un petit peu ici. Voilà, allez à plus tard, allez ciao, bye.